Et bonjour à tous, ici Morgan von Brelan. On se retrouve sur Doom. Et direct, combat spécial. Ah, direct. Pas bonjour. Ah, je suis tombé. Ah, je sais pas où je suis. Je suis en train de mourir là. Monte. Oula. Merci pour la vie. Et voilà, easy. Non, en vrai, je l'ai perçu beaucoup plus facile que le premier. Voilà. Amélioration du super pépon. Clé empyréenne. Je me souviens pas ce que ça fait. Je crois qu'on me l'expliquait dans l'épisode où j'étais paumé. Et en parlant d'être paumé. Où suis-je? Ah oui, c'est vrai, ça. Faut que j'aille là. Non! C'est pas ce que je voulais faire. La rune qui améliore mon... Ah mais non merde, c'est le même truc que tout à l'heure ça. Attends, je vais me suicider. Je me coupe juste un peu de vie, c'est pas grand chose.
Ah ouais, alors par contre, en termes de munitions, c'est la Zermi. C'est quoi en plus? Parce que j'ai pas pensé à utiliser ma tronçonneuse. Alors que je suis plein et qu'il y avait encore de la recharge dans le bonus secret. Apparemment, il y a un autre truc de combat là que j'ai raté. Ici. Non, c'était du. Du pur bonus. Mais c'est moi qui suis abruti ou. Pas cool le jeu quoi, je commence l'épisode sur un truc plutôt excitant quoi. Et tu mets cette phase de plateforme à la con. C'est pratique ça comme système. Et ça tue le rythme! T'as ruiné mon groove, le jeu. Mes excuses, mais vous avez ruiné le groove de l'empereur. Je ne vous crains pas. Vous n'avez pas gagné la partie. Retrouvez-moi, Sire. Je vous attends. Évidemment que je n'ai pas gagné la partie, je viens de commencer le jeu. Mais l'épisode 5, j'ai tout le temps du monde. Toi, par contre, ton temps est compté. Toujours la petite patate gratuite. Point d'armure Praetor. Est-ce qu'il y a un truc qui m'intéresse? Passe-moi la station cartographique. Ouais. On a aussi des éléments de progression, je m'en fous. Non. Comme les anti-radiations, subit moins de dégâts de la boue et d'eau toxique. Bon, c'est déjà pas grand-chose. Immunité aux dégâts des explosions de barils. Les barils font tomber des munitions. Oh, c'est bien ça. Je crois que je vais prendre ça, peut-être. Temps de rechargement de la grenade, ouais. Double explosion. Fragmentation. Je peux tirer deux fois. Ouais. Bombe de givre. Ouais. Parce que je m'en sers très peu des grenades en fait. Parce que le bouton est pas facile à atteindre, surtout quand j'ai mon gilet sur les mains. Je rappelle, j'ai toujours la technique du gilet sur le clavier pour essayer de couvrir le son. Du clavier. Et que qu'il recharge la ruée. Ce serait pas mal ça. On va prendre ça. Ruée dans les brancards.
Oh, mais les noms! Entre ça et échangiste! Les objets, intervention, navigateur, parce que tel bruit carapace, pareil générant. Pignata, c'est explosif. C'est vrai qu'à ça, quand t'es pas mal aussi. Range de grenade, explosif, bon, soumission, stock de grenade, range de l'exil. Perge à sol, butin givré, on joue. Ouais. Ouais, non, il y a que échangiste et joué dans les brancards en fait qui sont. Débile. C'était par là, j'espère. J'ai passé une minute dans les menus, je suis déjà paumé. Je vais présenter les outils nécessaires pour réussir dans le domaine éternel. Dur et kill, cracheur ardent, tronçonneuse, frappe sanglante, bombe givrée et à frag. D'accord. Attends, G c'est pour changer le type de mission, c'est ça. Et moi je préfère les missions à frag. Après c'est contrôle gauche pour les lancer. C'est contrôle gauche pour les lancer. Bon là il fait tout froid partout, je sais pas si... J'ai essayé de lui mettre un coup de pioche. Comme dans Deep Rock Galactique. J'ai fait clic droit, clic gauche. Mais on n'est pas dans Deep Rock Galactique. Ça marche pas. Il faut bien comprendre que... J'ai pas l'habitude de jouer des FPS, moi. Oula. Et que les seuls autres FPS auxquels je jouais, je joue en temps normal, c'est des points galactiques. Du coup, des fois, j'ai des réflexes de... Enfoiré. Oula. Là, ferme. Aïe. Ouais, des fois j'ai l'impression de vouloir appuyer sur F pour lancer. Lancer une fusée éclairante. Voilà. Sous chimie téléportation, t'es pas venu venir ça. Hein. Le prêtre s'est immobilisé. Je verrouille le signal. Oula, qu'est-ce que c'est? C'est qui? Ça fait peur. Pourquoi je suis jaune? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était? Qu'ai-je vu? Encore une fois, il y a des munitions tronçonneuses. Il y a des munitions tronçonneuses sur le terrain et j'ai pas pensé à utiliser. Enfin, si, j'ai pensé à utiliser, mais il y avait plus de cible valide, il y avait plus que des gros. Et à cause de ça, je suis limite en munitions. Oui, et donc le truc jaune, c'était quoi? C'était quoi ce visage? Pourquoi il y a un screamer dans Doom? Non, c'est cohérent. Oh!
Ah d'accord. D'accord, bah je prends le métro. Métro, fin du niveau. Ah mais ça m'emmerde, parce que ça fait qu'un quart d'heure qu'on est là. Mais... concrètement... je sais pas... résumé, je peux voir exploration. Enflammer 4 démons avec un seul tir de crachoir ardent. Ah, c'est vrai que j'oublie que j'ai ce truc. Ouais. Ah, faudrait que je fasse plus gaffe au timer. Parce qu'en plus, je le vois le timer. Hein. C'est pas ça le problème. Je vois le timer sur mon écran. Il est là, en haut à droite. Vous le voyez pas, mais moi, je le vois très bien. Il m'indique un très joli 60 FPS constant. J'en suis. Non, pas constant. J'en suis très heureux. Et. Ah bah, c'est pas fini. D'accord. Bon, moi, j'ai rien dit. Le niveau n'est pas fini. Tout va bien. Et je tombe, je meurs, n'est-ce pas? Oula. La tronçonneuse. Ouais. Il a un jetpack lui. Il est où? D'accord, et ça servait à faire... Ah d'accord, j'ai largué du lest. La c'est bien, on ira plus vite comme ça. Stabilisé, et son gardien se trouve dans le bâtiment plus loin. D'accord, parce que moi j'étais parti pour expliquer que oui, faut que je fasse plus de gaffe pour découper mes épisodes, parce que j'ai pas forcément envie de... J'ai pas envie de faire un épisode d'une heure et quart, puis un épisode d'un quart d'heure. Voilà. Mais si le niveau est pas fini, tout va bien. Non mais attends, j'ai eu l'écran de fin de niveau. Donc en fait c'est juste qui m'a fait démarrer le deuxième niveau directement. Plein de vie. Oh, une amélioration. La patate. J'en fais même pas exprès. Est-ce que je prenais? Ouais. On va prendre le fusil sniper. Donne-moi ça. Oh, Pinky! Sa queue constitue son point faible. Effectue un double saut par-dessus le Pinky, utilisez la revue pour esquiver. On tire sur sa queue pour un jeu de joueur de dégâts.
Effectivement, il fait pas très peur. Tu fais quoi toi? C'est chill tout ça. Ben oui. Wow. Petite punition, aïe. C'est pas ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Oui. Des munitions de pépon, on n'a pas quelque part. C'est pour faire le défi. Voilà, on l'a. Alors. Il est où la racombotte là? Sérieux? Non, sans déconner. Je viens de mourir là. Non, c'est pas vrai. Moi j'ai l'impression que c'était chill, que tout se passait bien.
pas spécialement ce que je voulais faire. Où la racle des bombes. Bon, c'est ça le problème. C'est que je m'empêche de jouer correctement parce que j'essaie de faire le défi. C'est con, hein. C'est très con. J'ai encore mourir en fait. C'est ça? Eh bien. C'était plus difficile que le combat spécial qu'on a fait au début de l'épisode. What the fuck? Bon, en partie parce que je faisais le con avec mes munitions, mais quand même. Je vois ton slip. J'ai même pas écouté ce qu'il a dit du coup. Il voulait que je trouve un adversaire à ma valeur. Wow. Ouais, c'est un démon tank énorme. Je vais affronter ça. Toujours la patate pour rien. Je vais affronter ce truc. Qu'est-ce que... Mais ça va m'accrocher. Non! Non! C'est moi qui suis abruti ou... De toute façon, celui-là, il sert à rien.
Je suis censé aller où après celui-là? Je comprends pas. Parce que là, je suis en train de gentiment défoncer toute ma vie dans cette connerie, mais. D'accord. C'est un passage de merde. Bon, au moins il me régène. Oula. Je savais très bien que j'étais au-dessus du vide, je me suis pas fait avoir, j'ai fait mon double saut en arrière. Les glory kills avec les pinky sont un peu décevants. C'est juste hop là je t'ouvre un petit peu la gorge. Je te mets 2-3 coups de couteau dans le foie. C'est. Mais sérieux? Après faut que j'aille là. Et après à droite. Ok, oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Je voulais appuyer sur échappe, j'appuie sur. Disable violence trigger JSON body. Ah, ça utilise du JSON sale. Ok. Et ensuite? Et ensuite on me sauce. Qu'est-ce que? Hein? Ah! Barre-toi! Lâchez un truc. Hey, j'aime bien. Oh, c'est tellement bien pour péter les points faibles. J'aime beaucoup. Je pensais pas qu'il m'intéresserait plus que ça le sniper, mais non, je le reconnais, c'est bien sympa. Ça, c'est un secret. Ou c'est juste la suite, peut-être. Non, c'est juste la suite. Nouvelle rune. Déplacement dans les airs. On est sous les deux une fois dans les airs pour ralentir le temps. Une fois la rune épuisée, vous devez attendre qu'elle s'en charge. Ah. Mais non, je voudrais ça, s'il vous plaît. Oh oui. C'est presque trop de contrôle. Ça me perturbe.
Non, je peux aller là-dedans. D'accord. Sérieusement, la temps limité en plus. Je vais attendre qu'il se barre. Non, ça se finit pas. Moi, je vais aller là. Hein. Je vous fais confiance, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait le gogol pour l'instant, j'ai pas bien compris. Pour une seconde, j'ai cru que je venais de faire demi-tour. Comme ils se battent entre eux. Ils sont chiants avec leur mur, eux. Plus de balles de pépon. J'avais des balles de pépon en arrière? Oh non, mais j'ai une arme. Ah si, il y avait des balles de pépon en arrière. Vous ne pouvez pas me brûler! Je suis déjà. D'accord, bon, j'ai fourré mon one-liner, mais vous avez compris l'esprit. Je suis déjà chaud comme la braise. Oups. Je le touche en moi ? Oui. Ah merde! 6 sur. Ah, ça dépense. Ah, par contre, ça dépense. Ah, d'accord, j'avais pas. Je pensais naïvement que ça me commençait, que ça me consommait les missions une par une. Bah non, apparemment, ça consomme 6 par 6. Ce qui est un problème. Ce qui est également un problème, c'est que je. Ouais, mais c'est les hangars en fait. Ce qui pose un problème, c'est que je sais pas comment je. Ben. Voilà, super, respecte-moi. Je ne sais pas comment j'avance vers la suite. En tout cas, ça me dit des trucs, mais c'est bloqué. Ça, bah, j'en viens. Puis ça, ça n'a pas l'air accessible de quelque manière que ce soit. Ah si! Merde! J'appuie sur espace. Et maintenant, il se barre! Vous pouvez pas d'office leur mettre en haut. What? Vous pouvez pas d'office leur mettre en haut quand je tombe. Parce que me ramasser comme une merde une seconde fois parce que j'ai voulu y retourner trop vite. C'est comment dire frustrant. Ah d'accord, je suis censé après sauter sur celui qui est au-dessus. Eh ben c'est pas chiant.
Waouh. Ah bah... T'es moche. Bon, ça j'ai toujours pas de mission. Alors, qu'est-ce qu'il a ce cercueil? Il est spécial. Il y a quelque chose d'horrible et terrible à l'intérieur qui va m'exploser. Ah, non, ça a l'air très très mort ça. Bon, en même temps, c'est un cercueil. Et c'est tout. Et du coup, c'est ouvert. J'ai du mal à voir la logique. Oui. Des munitions sniper. C'est ouvert ça? Ah oui. J'avais peur qu'il y ait une vitre. Que je me cogne dessus comme un. Comme un gros nul. Il pense à quoi ici? On n'y a pas l'air. Allons-y! Ah. Y a pas de secret, qu'il disait. Le défi. Voilà. C'est bien parce qu'en fait, ce défi m'a montré une manière mille fois plus efficace de péter leur canon que ce que je faisais avant, qui était de juste bourriner dessus avec le fusil à plasma ou la mitrailleuse. C'est là-bas la suite. C'est la suite. Et ça, c'est pour avoir un secret. Oui. Un peu que c'est ici pour le secret. Carte d'accès rouge. Comme dans le premier Doom. J'allais dire c'est si nostalgique, mais j'ai pas joué au premier Doom. Mais je sais qu'il y a des cartes. J'ai pas écouté. J'espère que c'était pas important.
attendez, excuse-moi. Tu bloques ton propre pote, imbécile. Imbécile, il m'a aidé. J'ai dû passer comme un travers comme un connard. Comme j'ai fait juste après, en fait. Mais attendez, non, je suis en train d'aller vers la suite là, je veux pas. Bon, ça fait pas des vrais dégâts. Ça fait beaucoup de flammes. Mais en fin de compte. En fin de compte, cette porte, elle est fermée. Mais en fin de compte, je perds quoi? 0 PV, vous avez vu? Je suis full life. Chic. Oui. Sushi! Et toi, t'as des pop. C'est un très gros crâne. C'est un boss? Verrouillé. Tiens. Ah, c'est chaud. Encore les cercueils. Encore les cercueils, je savais pas où fallait aller après. Ensuite. Ah, ah là-bas, le Saint-Amanque, d'accord. Je déteste ces putains de cercueils.
une patate pour rien. Ah! Ça va. C'est pas de ma faute si j'ai pas compris où est la suite. Si. Mission faible, santé basse. Je dirais que tout va bien. La moitié des gars que j'ai pris étant en provenance de cette structure de merde. Sérieusement. Je vais me taper le boss dans cet état. Toujours pas prêt, mon boss. Voilà, bon, ça m'arrange. J'aimerais bien prendre une petite trousse de soins, là, vite fait. Je peux marcher sur ces trucs ou... Ah, du coup, ça en bas, c'est ouvert. Ou pas. Je suis où? Que c'est ouvert ici, mais ça l'est clairement pas. Bah, le secret s'intéresse qui, de toute façon. Ah, de la santé. Merci, vous êtes bien aimable. Ça y est, j'ai droit à mon combat de boss. Ça fait déjà presque une heure qu'on est là. Ça y est, le démon tank. Profitez bien de ce que je considère comme mon chef-d'œuvre. Ah oui ! Combat de boss ! J'ai tellement chaud à la main gauche. Je profite de la cinématique pour aérer un peu. Sous le gilet. Faible sur son bouclier et sa base. Désolé, son bouclier avec son fusil à plasma pour le désactiver temporairement, parce que sa base pour détecter de manière temporaire, de manière permanente, son bouclier et ses missiles étaient chercheuses. Ouais, mais j'ai déjà plus de mission de plasma. Alors, où est-ce qu'il est, le beau boss?
elle l'a pas fini. Je suis paumé. Qu'est-ce que je fais là? Comment je suis arrivé là? Là, je suis passé à travers le mur. Sois pas jaloux. Et du coup, tous les autres démons ont des pop. Ah, j'étais censé descendre? D'accord. Ah, y'en a un autre! Mais c'est toi l'hérétique, t'es un démon. Il y en a deux maintenant. Ils sont où? Mais non, mais... Tu mets deux boss d'un coup en même temps. Ce n'est pas terminé. Ton bouclier va lâcher. Ok, de 1.
Voilà, toi c'est non. Toi c'est non. Ok, où est le deuxième? Où est le deuxième? Toi c'est non. Ah, voilà le deuxième. J'espère qu'il ne faut pas en mettre 3 derrière. Moi que t'appelles la bête. Je m'appelle Guy. Et je pique son pognon. Ah non. Il est vraiment mort? Il suffit de les décapiter? C'est étonnamment facile. Qu'est-ce qu'il déconne, Doom Hunter? Ah bah... pas grand-chose. Putain, exploration zéro. J'ai trouvé qu'une batterie sentinelle et un seul point d'armure Praetor. Bon, en même temps, les trucs Praetor... bon, c'est pas grave, ils m'excitent pas forcément des masses. Défi, lire la station cartographique. Mais comment dire... Elle n'était pas au début du niveau, la station cartographique. Comment ça, c'est un défi? Du coup, je retourne à la forteresse, là? Ouais, parfait, ça fait une heure. Ah bon? Ce petit jeu est allé bien trop loin. Ah ben bonjour! Tu veux remplacer Dieu ? Elle connaît bien le système. Le dernier prêtre sera conduit dans un lieu plus discret, afin que nos travaux puissent continuer sans être encore interrompus. Le signal du troisième prêtre de l'enfer a disparu. Augmentation de l'activité démoniaque de 41,3% au point de l'invasion initiale. Il s'agit du plus gros nid à gore de la Terre. Un nid à gore ? En Italie? Encore un coup des Vénitiens. Non, il n'y a pas de transmission de radio pour dire « Oh là, attention, il est dangereux !» Bon. On va voir ce qui est intéressant ici. J'ai les batteries sentinelles à rentrer déjà. Je sais pas où. Mais j'ai des batteries à rentrer. Deux batteries pour un costume de Doom Guy.
J'ai 3 batteries aussi. Non. On voit pratiquement jamais la troisième personne, donc un costume médicinal ça m'intéresse pas du tout. Oh, un mode bot. Un point d'armure Praetor. Un autre point d'armure Praetor. Un autre mode bot. Oh, une rune. Ça va être intéressant. Ben, je pense que je vais prendre une rune. Et remplacer. La rune de contrôle dans les airs. Qui m'aide pas tellement. En fin de compte. Ah non, c'est pour ce truc là. Bon bah on va finir le crachoir de napalm, écoute, santé supplémentaire. Et puis... C'est quoi ça? Plein de sorciers utilisés. Ah oui, il y a ça. Pour débloquer l'épée. Ah, et ça, j'ai le droit. Oh, 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 oh. Est-ce que c'est les BFG? La baliste. Ah, c'est pas le BFG du tout. Camouflage activé, ouais. D'accord, donc ça coûte du... Donc ça utilise des munitions de plasma et ça les dépense 25 par 25. Eh bé, ça a intérêt à avoir de la patate. Bon. Je commence à avoir beaucoup d'armes. Ah d'accord, et en fait je vais avoir deux armes qui utilisent chaque type de munitions. Donc là j'ai les deux pépons et les deux plasmas. Il manque un truc qui utilise les roquettes et un truc qui utilise le canon lourd. C'est bizarre comme c'est foutu. Parce que donc là j'ai sur celui qui est en haut. Je défile vers le haut. Ça me met sur le canon lourd. Puis sur plasma. Etc. D'accord. Mais du coup, là, si je défile vers le bas. Attends quoi ? Oh, je comprends rien. Attends, du coup, il fait. Attendez. Donc, il fait. Pépon, canon lourd, plasma, on se roquette. Et après, il fait les armes secondaires. Enfin, les armes de. Donc, super pépon, baliste. Et alors là, c'est curieux, parce que la balise, si je défile vers le haut, bah je peux pas. Il me laisse pas. Faut que je fasse gaffe, hein. Si je suis sur la balise, je suis Keblo. Doom 2. Je n'entends pas de musique. Ah si voilà. Bon dans tous les cas, on va se laisser ici. Je vous dis au revoir à tous. Et à la prochaine.